L'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans la ville de Colusi et ses périphéries. La nuit du lundi au mardi, trois boutiques ont été visitées par des hommes armés au village Kanfoufou. Plusieurs biens et des sommes importantes d'argent ont été emportés. Alain Kabouya est l'une des victimes. Il nous relate le fait. On m'avait braqué l'arme à travers la petite fenêtre de la porte. Dès l'intérieur, je me suis mis à genoux en criant, je n'ai rien. Ils ont donné un coup de marteau à côté de la porte, toute la maison tremblait, et ils m'ont dit d'ouvrir la porte. J'ai hésité, ils ont le deuxième coup de marteau, et à travers la petite porte, je leur avais donné l'argent. Ils m'ont dit d'ajouter, j'ai ajouté. Ils m'ont encore demandé mon téléphone, je les ai donné. Au total, ils ont pris 1 500 $. C'était vers 23h, je dormais déjà, à grande surprise. Je vis les hommes en uniforme entrer dans ma boutique. Ils ont commencé à casser le vitre de la porte et ils m'ont demandé l'argent. Je criais, personne n'est sorti. Et j'ai pris 2 500 $, je leur avais donné. L'impraticabilité de la route chez MAF et l'obscurité seraient à la base de cette situation inconfortable, chose que déplore le riverain. Mauvais état de la route chez MAF serait à la base de l'insécurité. Même si on appelle CCO, ils arrivent avec grande difficulté à cause de la route. Jusqu'alors, tu n'as pas ta solution. Depuis janvier, plus de 10 cas d'incursion ont été enregistrés. Profitant de l'occasion, le chef du village lance un appel aux autorités compétentes. Dans un mois, nous enregistrons 3 à 4 incursions de bandits à main armée. Et du côté Kazembe, on a même ramassé un corps d'un jeune homme qui a été tué. Et tout cela s'est dit au mauvais état de la route et par manque de l'électrification de notre quartier. À cela, nous demandons aux autorités en charge de l'insécurité de nous aider, beaucoup plus de réhabiliter la route et de nous connecter au réseau SNEL. Les habitants de Kanfoufou trépignent d'impatience de voir un poste de police installé, la route chez MAF être réhabilitée et la connexion réseau SNEL.